Et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier, c'est JV Retro 74 et aujourd'hui, petite vidéo d'un colis en fait qui vient de la part de Discovery Games. Donc Discovery Games, c'est un youtubeur hein, justement qui fait à peu près, bon, fait à peu près les mêmes choses, hein, donc il a de très belles collections. Il présente donc ses achats, tout ça, ses collections. Bah là, dernièrement, il a présenté sa collection Dreamcast Jap. Et je vous invite à aller voir sa chaîne, donc elle va s'afficher quelque part en haut de l'écran, et je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il a une belle collecte, il a des sacrées pépites quand même. Donc allez voir sa chaîne, et on ouvre son colis tout de suite. Par contre, petite aparté, je voulais préciser que cette vidéo est sponsorisée par Red... Ouah, c'est mytho, mais tu fais 42 vues par vidéo, quel sponsor tu me parles? Gros mytho, va. Bah non, mais je voulais faire juste comme tout le monde. Bon bah écoutez, on ouvre son colis tout de suite après l'intro. C'est parti pour l'ouverture du colis. Tac. Donc en fait c'est un... Alors je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein. En fait il a vu ma vidéo de présentation de collection Pokémon. Et voilà, il a entendu mon appel. Et donc voilà, donc en fait il m'a fait... il y a deux jeux, 3DS, et il me les a fait pour la somme de 20€. Avec les frais de port, donc je trouvais que c'était un très bon prix, donc encore merci à toi. C'est vraiment sympa de ta part. Donc, bon, j'espère que tu ne m'en voudras pas hein, qu'on parle de prix. Hein. Oh, je suis comme ça, j'aime pas. On s'en branle, hein. Mais voilà, en tout cas, très sympa, vraiment très sympa de sa part. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous allez voir, il fait quand même de la qualité. Hein. En plus, il a acheté une caméra aussi, et voilà, il a une meilleure qualité que moi. Donc, voilà. Allez voir sa collègue, vous allez voir, elle est très très sympa. Et en plus, c'est un voisin suisse. Donc raison de plus pour aller s'abonner à sa chaîne. Et au passage, allez vous abonner aussi à la mienne si c'est pas fait, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, je ça comme un sagouin, voilà. Je suis un peu une quiche, donc voilà, on va éviter de... Voilà. Tac. On va quand même pas se faire chier. Voilà. Eh ben dis donc, c'est que c'est bien emballé tout ça. Ah, il a bien protégé ça avec bah, des petits prospectus. C'est très sympa sur le Covid-19, donc respectez les distances de sécurité. Voilà. Et voilà. Très, très, très sympa de sa part. On va enlever toutes ces petites protections. Tac. Allez, on déballe. Ah, il a pas fait semblant, il a pas fait semblant sur les protections, l'ami. Donc, en premier jeu, il a pu me vendre, du coup, le petit Pokémon Saphir Alpha. Donc, je l'avais en version des maths. Donc, très très content de l'avoir parce que, du coup, ben, je l'avais ben, en des maths et je le voulais en physique pour la collection. Et je vais prendre un malin plaisir à me le refaire. Ou pas, parce que c'est vrai que j'ai tellement avancé sur l'autre, je devrais peut-être être à 300 ou 400 heures, je pense, de jeu, à force de faire la chasse au shiny, donc... mais voilà, un très bel objet qui rentre dans la collection. Et on passe au dernier, donc ce sera une vidéo assez courte, hein, mais bon... Tenez à vous la faire. Donc bien entendu, vous retrouverez bah, ces petits jeux dans les achats hors vide-grenier du mois, donc... du mois de juin ou de juillet, parce que, étant donné que j'ai pas acheté énormément de jeux hors vide-grenier, même en vide-grenier d'ailleurs, du coup vous les trouverez sûrement dans une vidéo qui recompilera les deux mois. Et donc on a pour finir le Pokémon Y, donc je suis hyper content, là je ne possédais ni le X ni le Y avec sa petite notice, donc je suis hyper content. Donc encore merci à toi l'ami Discovery Games. Donc j'espère que cette petite vidéo bah, vous aura plu, c'est une vidéo assez courte hein, mais bon... Voilà, c'est un petit unboxing que je voulais qu'on découvre ensemble.
Donc sur ce, abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne, mettez des pouces bleus sur mes vidéos, sur ces vidéos, et je vous dis, à vous les studios les mecs.